Bonjour madame la pharmacienne. Bonjour monsieur, vous désirez ? C'est difficile à dire. Sûrement un mot latin. Non, j'ai oublié. Bon, on va bien le retrouver. Vous n'avez pas d'ordonnance ? Non. Et qu'est-ce que vous avez alors ? L'ordonnance. C'est l'ordonnance que je n'ai pas. Non, je veux dire, vous êtes malade ? D'où vous vient cette idée ? Est-ce que j'ai l'air malade ? Non, je veux dire, le médicament, il est pour vous ou pour une autre personne ? Non, il est pour mon enfant. Il est pour votre enfant. Qu'est-ce qu'il a, cet enfant ? L'enfant, c'est sa mère qui n'a pas. L'enfant n'a pas de mère ? Si, mais c'est pas sa vraie mère. Bon, l'enfant a une belle mère. Oui, la mère est belle. Et là, c'est pas la vraie. Et c'est pour ça qu'il aurait pris froid. Il tousse, cet enfant ? Non, il crie simplement. Peut-être a-t-il des douleurs ? Non. C'est bien possible, mais c'est compliqué. L'enfant crie et ne dit pas où ça lui fait mal. Sa belle-mère et moi, on se donne la plus grande peine. Aujourd'hui, j'ai dit à l'enfant, si tu dis bien gentiment où ça te fait mal, plus tard, t'auras une belle moto. Et alors ? Il ne dit rien. Il est complètement borné. Mais quel âge a-t-il, cet enfant ? 6 mois. Voyons, monsieur, à 6 mois, un enfant ne sait pas parler. C'est bien possible, mais quand on a mal, on doit montrer où se trouve le foyer de la douleur. On ne crie pas, non, non. L'enfant ne dit pas où ça fait mal. Et sa belle-mère m'a dit, va à la pharmacie et rapporte-moi... De la camomille. Non, c'est pas quelque chose qui se boit. Peut-être a-t-il des vers, l'enfant ? Non, on les aurait déjà vus. Non, je veux dire à l'intérieur. Ah, là, on n'a pas encore regardé. Ah, monsieur, c'est une affaire compliquée pour une pharmacienne quand on ne lui dit pas ce que veut le client. Ma femme m'a dit, va à la pharmacie et si je ne sais plus le nom, je dois vous donner le bonjour de l'enfant. Non, de ma femme. Et l'enfant est terriblement agité. Agité ? Mais alors prenez un calmant. Le mieux peut-être, isopropyl, profémyl, barbituracide, phényl, diméthyl, dimentylamino, fierazolon. Comment vous dites ? Isopropyl, profémyl, barbituracide, phényl, diméthyl, dimentylamino, fierazolon. Comment ça s'appelle ? Isopropyl, profémyl, barbituracide, phényl, diméthyl, dimentylamino, fierazolon. C'est ça. Si simple, on n'arrive pas à s'en souvenir.